Bonjour. Moi, j'ai juste besoin pour ma maman et je vais trouver ça chez Action. Je le ferai tout à l'heure. Je suis sûre que Vivi, parce que j'ai un rendez-vous juste après. J'ai trouvé deux petits trucs à Juju, c'est pas vous pour Noël, je vous montrerai. Et là, je cherche pour ma mamie, pour offrir à Juju, des pyjamas et des pulls. Parce qu'elle n'en a pas beaucoup, donc je viens en reconnaissance de pyjamas. Mais ça dépend comment ça taille. Du coup, là, je suis chez Gémeaux, je regarde des petits pyjamas, j'ai craqué sur celui-là, là, je l'ai ici. Ils l'ont aussi en une pièce, mais je trouve que les deux pièces, bah, ça dure plus longtemps pour Juliette. Et ils ont vraiment des petits pyjamas mignons. Donc celui-là, je l'ai déjà actuellement, et j'en cherche des chauds, hein, parce que sinon, il y a celui-là qui est magnifique, mais c'est pas très chaud, mais il est trop, trop beau. Puis Juliette, je préfère les ouvertures sur le derrière, ça tire moins. Donc j'hésitais avec celui-là que Tata Caro avait déjà offert. Mais pareil, je préfère les ouvertures sur le derrière parce que comme elle a des bonnes cuisses, en général ici ça tire un peu. Mais ils ont des choses trop mignonnes, regardez là pour les nouveau-nés. Regardez, j'aurais eu ça à la matière, j'aurais pris. Qu'est-ce que j'ai vu? Petit ensemble là comme ça. Ça. Et puis ça. Ça, ce serait génial pour Juliette. Je sais pas s'ils font encore. Oui, ils font sa taille. En fait, pour le soir au dodo, si elle a un pyjama léger. Ça, c'est trop pratique. Body, pareil, hein, si vous allez accoucher ou que vous avez des petits bébés, franchement, prenez à Gémeaux. La qualité est géniale et ils sont toute l'année quasiment. C'est un acheté, le deuxième à moins 50 et c'est par lot. Moi, vous voyez, j'ai ceux-là actuellement. J'ai ceux-là aussi. Enfin, je les ai quasiment tous eus, mais je vous les conseille vraiment, aussi bien petites filles que petits garçons. Ils ont des beaux trucs. Regardez, bon, ça, ça peut faire mix, mais c'est trop beau. Enfin, j'arrête pas de voir des trucs pour ma copine Manon qui va accoucher bientôt. Mais mon Dieu, j'ai tellement hâte. Je suis plus excitée qu'elle. Il est beau celui-là, mais il est grand. 24. Oui, il est pas mal aussi celui-là. Du coup, il est midi et demi. Petit repas, c'est le reste d'hier soir devant les vlogs Enjoy Phoenix, No Makeup Touche, tout ça. Ça m'occupe un peu. J'ai débarrassé toute la table. J'ai débarrassé toute la table, je me suis occupée des papiers et je vais vous montrer les petits pyjamas que j'ai trouvés à Juliette après. Du coup, les petits pyjamas que j'ai pris, je vous ai montré celui-là dans le magasin. Trop mignon, lila, avec tout polaire, avec une petite tête d'ours. Le pantalon, il est comme ça. Et le deuxième, du coup, j'ai changé. J'ai pris celui-là avec un petit nounours et le petit bas avec des petits cœurs. Voilà, donc ça, c'est ce qu'elle aura de la part de ma grand-mère. Donc, je vais l'emballer et j'y ai pris ce petit livre-là à Stockomanie parce que ma mère, elle allait même sur les animaux, je sais plus quoi. Enfin bref, il est trop mignon. Ma mère, elle a un peu le même et Juliette, elle adore les livres. Et il était à 4,95€ au lieu d'afficher 8,95€. Voilà, donc elle va être contente. Grand-mamie, elle offre ça. Bon, du coup, 1h15, j'ai mangé. Et là, je finis ma bougie, comme ça, ce sera fait parce que j'ai pas fini la dernière fois. Donc je vais m'en occuper maintenant. Et après, je vais aller ranger le dressing avec vous parce que là, c'est plus possible le dressing. Donc je vous montre ça. Donc du coup, là je vais m'occuper vraiment du dressing parce que c'est pire qu'un carnage. Comme ça je vais sortir ce qu'il me reste à emballer et je les emballerai ce soir ou demain. Mais au moins je les aurai mis de côté. Mais là il faut que je range le dressing. Je me suis un peu laissée aller. Et en fait ce qui me prend de la place c'est que j'ai des cartons pour le déménagement. Mais j'ai pas de quoi pour l'instant, j'ai pas de quoi les faire. Donc je les ferai plus tard et ils me prennent de la place. Donc déjà je vais monter les cartons au grenier. Comme ça, je vais gagner de la place. Puis ranger un peu, là, quelques fringues. Sortir mes tenues de Noël pour que je les essaie éventuellement demain. Ou enfin, les essayer. Mais là, je range. C'est propre parce que j'ai fait les poussières, mais c'est en bazar. Voilà, là, j'ai un peu honte. Mais pour vous donner un aperçu, ça, c'est les cartons qu'il faut que je monte parce qu'ils me prennent de la place. Mon sac de sport, enfin, j'ai cherché des trucs, j'ai tout foutu en l'air. Tout ça, là, ça va partir. Hein. Ça, c'est un carton que ma copine Nassim m'a envoyé. J'attends pour déballer les cadeaux Noël. Ça, c'est un sac à donner. Voilà, c'est Juliette à la jouer. Et puis ici, ça pareil, c'est un sac à jeter, des fringues à ranger, sinon ici ça va. Je ressemble de plus en plus à ma sœur. J'avais dit quand elle m'avait montré chez elle un rangement que pour des cartons et des papiers bulles pour faire ses envois. J'avais dit non mais c'est ridicule, jamais je ferais ça. Qui a laissé une place dans son dressing spécial carton papier bulle pour les envois Vinted? C'est Bibi, voilà. Bon là je suis contente parce que j'ai ressorti quelques fringues, déjà j'ai mis tous mes vêtements à repasser dans une bannette, je vais faire ça ce soir ou demain. Et j'ai sorti quelques fringues que j'ai retrouvées qu'il faut que j'essaie. S'ils me vont tant mieux, s'ils me vont pas, je montre à ma soeur, à ma maman, à ma mamie. Si ça leur plaît pas, Vinted, et si ça part pas au bout d'un mois et tout, c'est bon, je donne, je mets dans les bacs
les bacs de collecte, bien que j'ai vu un reportage de Hugo là sur Instagram. On pense faire des bonnes actions en mettant nos vêtements qu'on veut plus dans les bacs de collecte. On sent que moi je pense que ça va aller dans des associations, des gens pauvres, des SDF, des pays pauvres. Et en fait, c'est dans des déchetteries, voilà, en Afrique, des montagnes de fringues où les animaux marchent dessus, mangent dedans. Enfin, donc j'essaye vraiment de faire ça plus. Un peu plus responsable. Déjà, j'achète beaucoup moins de vêtements qu'avant, c'est sûr, et ou j'essaye de vendre, ou alors si ça part pas vraiment, si c'est en bon état, je donne parce que je sais que ça peut être réutilisé dans les associations. Et sinon, par exemple, vous voyez, j'ai une housse de couette qui est trouée et tout, qui est pas donnable, et eh bien je vais me la découper, me faire des chiffons avec. Ma maman, c'est ce qu'elle fait. Je garde aussi pour protéger le sol et tout, les housses de couette, mais toutes mes housses de couette abîmées, mes draps pour quand on va déménager, pour protéger le sol, protéger des meubles, etc. Donc du coup ça me prend pas mal de place. Mais là, j'essaye de faire un peu de vide parce que j'en peux plus du bazar. J'en peux plus. Là, je suis en train de trier parce que c'est tout plein de vêtements que ma copine Marine, quand elle est venue, m'a donné de sa fille Mélia. C'était dans un sac en boule. Donc, je vais trier tout ce qui est vraiment. Vous voyez, il y a des trucs d'été et ça, je veux dire, si même si on est à la maison qu'au mois d'avril, elle va pas mettre des shorts comme ça au mois d'avril. Donc, je vais mettre en carton, en caisse et je vais laisser sorti. J'ai vu, c'est ce petit gilet-là. Je vais le laver, le repasser. Ça, elle peut le porter en ce moment. Ça c'est du 24-36 mois, bah pareil c'est manche courte mais je vais le laisser de côté parce que s'il y a des beaux jours en mois d'avril, elle pourra le porter. Donc je vais ranger ça, je vais trier ce qu'il y a là-dedans parce qu'il y a encore des vêtements. C'est des vêtements vintage, s'ils sont pas partis, c'est que c'est démodé, que ça partira pas, poubelle. Bon, maintenant mission chambre. Comme je vous ai dit, j'ai ce carton là avec plein de draps et tout. Je vais vraiment trier ce que je garde, ce que je donne, ce que je garde pas. Là-bas, c'est encore mes achats de Noël. Si je suis motivée, je mets ce qu'il y a là-dedans en carton parce que j'en ai vraiment pas besoin. Comme ça me libérera un peu le meuble. Faire mes petites poussières, changer les draps de Juliette, de nous. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Voilà, sa meilleure tête. Ça fait plaisir de voir le dressing rangé. Donc j'ai fait deux cartons qui sont là sur la table. Ça m'avance toujours d'en faire un de temps en temps. J'ai vidé cette étagère-là. J'avais pas besoin de tout ce qui est dessus, même si je filme encore des vidéos face caméra, c'est pas bien méchant. Donc j'ai vidé au moins cette étagère-là. J'ai juste laissé ma plante. Et ça, c'est un sac de cadeaux là qu'il faut que j'emballe. Petite tenue de Noël à Juliette. Ensuite, il me reste 2-3 trucs, ça c'est normal. Mon sac de sport. Bon, là, c'est encore un peu brouillon, tous mes cartons pour emballer mes colis Vinted. Ça, comme je vous ai dit, c'est un sac qu'il faut que je donne à une copine. Ça, c'est un carton qu'on va déballer bah, à Noël. Après, ici, ça sera vide. Et puis voilà, là j'ai trié les vêtements à Juliette, toutes les robes d'été, je les ai rangées parce qu'elle les mettra plus. J'ai débarrassé tout ce qu'il y avait là, vous avez pas vu, mais j'ai trié tous ces vêtements à Juliette qui sont dans cette caisse-là aussi. J'ai mis une machine, là j'ai tout débarrassé, ça fait du bien. Ici, bah, mon bureau, il est tout rangé. Ça, c'est juste mon linge à repasser, mais ma bannette, du coup, j'ai fait une tournée de linge, donc elle est pleine. Mais voilà, très contente. Ça, il faut que je me le descende. Je n'en ai pas en voiture, c'est problématique quand il gèle. Avant d'aller chercher Juliette, je suis passée à Intermarché chercher de quoi manger ce soir parce qu'on n'a plus rien. Il va falloir que j'aille faire les courses, pas et demain je peux pas. Je verrai peut-être pendant sa sieste au pire à Juliette. Et là je vais la chercher, elle est restée chez ma maman, c'était pas prévu. Mais je vous avoue que ça m'a bien arrangé comme ça, le dressing il est. Mais j'ai jamais eu un dressing aussi impeccable, je suis trop contente. Bon, je vous reprends plus tard, il est 6h, j'ai été chercher le monstre comme vous avez vu. Elle est là avec nous. Hé hey, Jean Bonneau, tu fais coucou? Ah, papa, il met le pantalon sur la. Tu fais coucou là? Tu fais coucou, mon amour? Papa. 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 On va aller mettre le pyjama? Mais non, mais pas tout de suite. Hein. On attend un petit peu. Tu veux lire ton? T'es fatigué. Je reprends. Papa. Je reprends les mots de mamie. Elle a été une merveille cet après-midi. Elle a bien mangé.
Bien dormi. Mamie, elle a dit... Mamie, elle a dit qu'elle changeait en ce moment. Qu'elle grandissait, qu'elle parlait. Elle a fait deux pipis au pot, mon bébé, aujourd'hui. Réclame. On va allumer le sapin ? Non. C'est moi qui décide. Sapin, pain, oui. Et tortue. Tati. Non mais tu manques pas. Cette année, c'est pas les chats, c'est Juliette qui défonce le sapin. On touche pas. Pas Juliette, mon amour. Ne touche pas au sapin, il va tomber. Mais te déshabille pas non plus. Tu cherches quoi? Ça poussera, t'inquiète pas. Oui. Mais bah, défends pas le body. Il est là, le bidon. Et le cou? Et le cou? Il est où le cou? Il est où le cou? Non, ça c'est le bidon. Il est où le nez? Elle est où la bouche? Bah je te vois pas là, tu tournes la tête. J'ai plus de batterie. Et les oreilles? Ouais, et les cheveux? Bon, Miss Juliette, elle a mangé, ça y est, on va aller changer la couche, elle digère. Ne tire pas dessus, voyons donc, tu vas le faire tomber. Et après, elle va aller au dodo. Ça va, Juliette? Ça va? Voilà, papa. Bébé. Maman. Merci, c'est papa. Sinon tu as bien mangé? Baba. Quoi, baba? Mais c'est pas un baba dessus, non. Ça a bien mangé, c'était bon? D'accord. D'accord. Bon.